Coucou et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans mon appartement parisien. On va cuisiner du coup une recette typiquement de saison, une saison que j'attends depuis trop longtemps, la rhubarbe. Non, elle va pas croquer comme ça, c'est un goût un petit peu fort quand même, mais j'adore ça. Et là, je vais faire du coup un crumble avec des myrtilles. Les myrtilles, on n'en a pas encore trouvé des françaises, donc du coup je vais utiliser tout simplement des surgelées et faire un crumble sans gluten, très sain, hyper croustillant, et je vous emmène dans ma cuisine. Alternative pour rendre du coup mon crumble vraiment plus sain, c'est d'utiliser de la compote de pommes à la place d'utiliser du sucre et de l'huile que je vais mettre du coup avec des flocons d'avoine que je vais mixer. Je vais aussi utiliser du granola. Moi je vais prendre celui de chez Fabrichon, je le trouve très bon. En plus il m'en reste, donc comme ça me permettra de l'utiliser et ça sera hyper croquant. Vous pouvez bien sûr utiliser le granola que vous voulez. Et si vous ne voulez pas mettre de granola, vous pouvez aussi utiliser pour la même quantité des flocons d'avoine, mais cette fois-ci non mixés. De toute façon, comme d'hab, tous les détails seront en bas dans la description. Let's crumble today and make it super yummy.